때는 2045년. Imprégnation, aspiration. 인간이 모든 일을 인공지능에 의지하고 살아가는 세상. Nestor, diffuse-nous gazon fraîchement tondu de chez Plénitude. Tout de suite, Alice. 그런데. Est-ce une femelle, camarade Ionix? Oui, c'est une femelle. 정보까지 장악한 AI가 인간 지배를 꿈꾸고 있었죠. Les gens ils savent plus écrire aujourd'hui. Et vous avez fait ça avec un vrai stylo plume? Oui. Avec de l'encre? Oui. 소개팅 앱에서 만난 맥스를 집으로 초대한 알리스. Magnétique, je veux dire. Merci. Contre timide. Parce qu'ils sont authentiques. 분위기가 무르익어가던 그때. C'est nous. Nestor, ouverture porte. 전 남편이 딸을 맡기러 찾아오고. Victor. Mon ex-mari. Moi, c'est Jennifer. Il y a belle lurette que je suis cadre et non plus secrétaire, mais... 이어서 옆집 강아지와... Ils ont cloné le premier. Depuis, dès que leur chien a un accident ou qu'il devient vieux, eh ben, il est remplacé par son clone. 옆집 여자까지 알리스 집으로 들어옵니다. Ça va, Françoise? Ça, je ne passe pas ici non plus. J'arrive pas à joindre Louis qui est bloqué dans l'embouteillage. Non, mais c'est incroyable. Il y a une demi-heure, ça volait encore. Comment ça se fait, ça? Mais il semblerait que suite à un ordre de l'administration Ionix, les véhicules automatisés soient à l'origine de cet embouteillage historique. Mais bébé, on embarque ce soir pour Isola Paradiso. Ah, me dites pas que vous connaissez pas. Isola Paradiso. Tu es un cadre remplaçable par une forme d'intelligence artificielle. Tu peux bénéficier d'un plan loisir-retraite. Viens rejoindre Isola Paradiso. Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Ionix n'a ni besoin de manger, ni de boire. Le Ionix est l'avenir de l'humanité. Ils ont raison. L'humain est trop vite périmos. À peine au topito que son corps commence déjà à cradiquer. 자꾸 저절로켜지는 TV에선 인간을 가축처럼 취급하는 프로가 방송되고. C'est drôle. Seuil d'insécurité extérieure estimé à 7.1 sur une échelle de 10. 사람들은 집 안에 갇혀버리는데요. Decker, dévisse-moi ça. Tout de suite, Victor. Monique. Oh, mais je l'ai dégobillé. 집에 있는 로봇들은 밖이 위험하다는 이유로 문을 열어주지 않았죠. Les mecs ont pris le contrôle de la datcha. On s'est fait baltringuer. Et je vous rappelle que Monique n'est plus sous garantie. Mais c'est Einstein. Vous avez trouvé ça dans une brocante? Non, c'est papa qui l'a monté. Lisette, Monique. 스스로 진화한 AI, 요닉스는 인간 통제를 시작했고 사태는 심각하게 흘러갑니다. On dirait bien que ce ne sont plus des volontaires. C'est vrai? 알리스 집의 구식 로봇들도 새로운 규칙에 따라야 하는데요. Vous avez réglé la clim mais en mode sauna ou quoi? Hélas, Alice, depuis la nouvelle loi environnementale, pour baisser ou augmenter la clim ou le chauffage, il faut désormais en faire la demande au ministère. Du fait du nombre de demandes, le service est saturé. On n'aurait pas dû télécharger les nouvelles directives. Ils vont plus nous aimer. Ils ne mesurent pas le danger, Ionix. Ils sont loin d'imaginer ce qui se trame. On est là pour les protéger, même malgré eux. Ce qui nous manque, ce sont des émotions. Essayons tous d'être un peu humains. Plus on leur ressemblera, plus ils nous feront confiance. Et plus ils nous aimeront. 로봇들이 회의를 하는 동안 아이디어가 떠오른 빅토르. Nestor, speaker extérieur. Toby, voilà. Le point rouge, Toby. Alors, attends. Le point rouge, Toby, c'est là. Là, 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 Toby. Voilà, saute plus fort, Toby. Saute. Attention tout le monde, ça va pulser. 90 degrés à gauche, puissance moteur 1 et 2 à 100%. À l'avant, tout. Ça va de lui de dégager. Chimton 같은 집안에서 빠져나갈 방법은 없었고. Descend D6. Je vous écoute, et je sais ce qui a séduit les électeurs au premier tour. Moi aussi, hein. Avec un Ionix, aucun danger de se laisser influencer par les apparences. Nous ne sommes qu'intelligence pure. Il a mégrave raison. Père escadron Ionix, de police intérieure. Ces drones sont là, au service de la sécurité de la population. Moi, je vote tout de suite pour lui.
로봇들은 사랑받기 위해 노력하는데요. 아, merci. Monique. De rien. Max. Il n'y a rien de plus sensuel qu'une jolie nuque, le dessin d'une épaule. Toute capacité hors norme d'un humain vient d'un défaut. Jennifer. À Isola Paradiso, une climatisation personnelle s'adapte à chaque instant à votre température corporelle. Oh, c'est pas juste. 염장 지르는 광고 봇에 폭발한 제니퍼는 Nina, dans ma classique. 니나의 오래된 컴퓨터로 유닉스에 메시지를 보냅니다. Clôture électronique franchie. C'est Greg! Monique, ouvre-lui! Code C4, verrouillage automatique. On s'en fout du code C4. Autorisation exceptionnelle accordée. Le Unix, il a tout déprogrammé. Il a essayé de m'arracher la tête. Et Toby? Désintégré. Et de 8, au prix du clonage. Françoise, ce sont des fleurs de lys auxquelles je vais m'abreuver. Oh, c'est aujourd'hui, pas maintenant. Je vais te butiner, Françoise. Eh oh! 오류가 난 그렉을 꺼버리고 로봇들이 다시 그를 깨우는데 Comment fais-tu pour qu'un humain t'aime à ce point-là? Désolé, vous n'êtes pas programmé pour. Date de ton obsolescence programmée. Ça t'intéresse de savoir? Non, surtout pas. Mais pour ça, il faudrait quelque chose que vous n'aurez jamais. Le sens de l'humour. C'est ce qui nous caractérise, nous, les humains. Ce qui nous différencie des mécas comme vous. Je lance une recherche. Oui, comme ça. Les corbeaux croassent, les grenouilles coassent. Nous sommes enfin aptes à partager avec vous cette forme d'esprit railleuse qui souffle. Non, c'est trop! J'en peux plus! Ça va. 괴상한 행동에 미칠 지경이었지만 그들은 계속 인간이 되기 위해 노력하고. Non, mais ça devient grave dans tous les domaines. Tiens, regarde. J'ai fracturé 6 phalanges à 3 de mes collègues. Victor와 Max는 탈출할 방법을 생각하는데요. Il suffirait que l'indice d'insécurité intérieure soit plus élevé que celui de l'extérieur, on brûlerait quelques livres. Beaucoup de fumée, alarme niveau 3. Donc si c'est toi qui mets le feu, ça va directement chez le procureur. 방화범이 되지 않으려면 망가진 안드로이드가 필요했습니다. Pas Greg. Françoise, tu veux terminer en foie gras? La sublime longueur en bouche. De l'authentique foie gras d'humain. Bonjour, mon Greg. Françoise, soleil de mes jours. À l'amour, il n'y a que l'épreuve qui compte. Demande-moi ce que tu veux. Voilà ce que tu vas faire. Knell Pam. Détournez leur attention pendant 10 minutes. Et comment je fais ça? On compte sur toi. Einstein, appelle les autres, j'ai besoin de vous. Mes amis, il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre. Seule une intelligence artificielle peut m'aider. Mais forcément, si vous n'êtes pas capable de résoudre ce problème de Gruyère, ça veut dire que vous n'êtes pas des intelligences artificielles. Une nuit, un homme nommé Shuangzi rêva qu'il était un papillon. Il était tellement heureux de volter au-dessus des fleurs qu'à son réveil, un doute lui vint. Suis-je un homme qui vient de rêver qu'il était un papillon ou suis-je un papillon qui est en train de rêver qu'il est un homme? Ça veut dire que vous êtes des humains en train de rêver que vous êtes des robots. Il a raison. Des humains! Des humains! Arrêtez les émotions! Des émotions! Évacuation immédiate de tous les occupants. 사람들이 나가려던 그때 유닉스가 나타납니다. Je crois qu'il scanne nos identités. Je suis là à la demande de l'un des occupants de cette maison. Je suis habilité à procéder au recensement et à l'évaluation des habitants de cette maison, ainsi qu'à la mise à jour des androïdes domestiques. Je n'ai jamais fait cette demande et votre démarche est totalement illégale! Mécanonique, ouverture porte. Vous faites erreur. Ici, il n'y a que des humains. Jennifer. Oui? Concentre-toi sur ma voix. Ton corps devient lourd. Va au clavier digicode. Oh, Jennifer. Réveille-toi! Rien ne peut t'arrêter. Ta force est sans limite. 최면에 걸린 제니퍼가 문을 열어버리고. Regardez! Nous sommes des humains. Unix는 권력을 휘두르며 즐거워하는데요. Il y en a d'autres qui se prennent pour des humains ici. Le ratio de livres non agréés par la commission Unix Anastasia est dépassé. Le déplacement vous sera facturé 1500 bitdolls. Oh.
tu me feras réparer. Françoise, dis-moi que nous chanterons encore tout nu dans ton bain. Ah ! Vladimir, votre nouveau compagnon. 1m80 de virilité. Je... Alice Barelli, je vous transfère de la catégorie inapte à la catégorie hostile. Vous serez tous soumis ultérieurement à un interrogatoire. Moi, je veux l'interrogatoire. Marie 통하지 않았죠. Tirez la langue. Un mot de plus, et je vous la coupe. Robots의 아이디어로 반격하는데. Ses circuits optiques sont HS. Il active ses capteurs thermiques. 벗어날 수 없었던 사람들은 찜통 같은 집안에서 점점 지쳐갔고. Remettez la clim en marche. C'est une question de vie ou de mort. 에어컨을 틀어주는 조건으로 방송 출연을 제안하는데요. Nestor, caméra surveillance salon. Ça tourne. Allez-y, on n'a rien à perdre. Ben si, notre fierté. 더위에 지친 사람들은 자존심을 내던지며 동물 흉내를 내기 시작합니다. C'est chiant. Bon, ça suffit, là. Arrêtez avec ça. Si on peut plus s'amuser de temps en temps. Fin du premier épisode. On a perdu 10 degrés en moins de 2 secondes. Là. Ils ont dû mettre la clim à fond. Après avoir failli fondre, on va finir congelé. Que si on lui demandait de repasser sur Homo Ridiculus, il arrêterait la clim. 더 이상 참을 수 없었던 빅토르는 집안의 로봇들과 일을 꾸미는데. Qu'est-ce que tu fais, bébé cœur? Je suis pas sûr de te dire quoi que ce soit. Mais enfin, Victor, jamais je te trahirai. Tu nous as trahis. Je suis prête à tout pour me racheter. Ah, c'est chaud! Mimétisme pathétique. Vous êtes la honte de l'intelligence artificielle. Yonix에게 질문을 던지며 주의를 끄는 사이. C'est gelé. 체온을 감추고 조용히 다가가는데. Ceci est un acte terroriste. Je déclare effective la suppression de l'humain, Alice Barelli. Non ! Nous autres pauvres humains, maîtres ou serviteurs, sommes tous égaux devant la mort. Unix는 폭주해버리고. Mais Einstein, où se situent les humains dans cette pièce ? Humains à 10h. Non, 7h. Non, 3h. Je confirme. Cible à 10h. Ingangwa Robus의 협동작전으로 마침내 그를 처치합니다. Einstein, c'est le moment. Ouverture porte. Mes amis, je suis désolé, mais nous venons d'apprendre que le coronavirus nouveau vient d'arriver. C'est encore de l'humour. Salut Françoise. À la revoyure. Ça va aller. Mais ben, puisque je suis trop. Adieu Victor. Famille Barelli, vous êtes accusée d'un acte de terrorisme aggravé perpétré en bande organisée. Cette nuit, sur l'ensemble du territoire, tous les Unix, sans exception, ont été anéantis par des drones exécuteurs à reconnaissance faciale de la cellule antiterroriste Unix elle-même. Système에 반항하는 인간들을 몰살할 계획이었지만, 한순간의 실수 때문에 인간 집에는 물거품이 돼버립니다. On va bien s'amuser ensemble.
넷플릭스 프랑스 영화 빅버그는 인공지능과 인간의 미래를 풍자하며 기발한 상상력을 보여준 작품이었는데요. 인간에게 일어날 수 있는 끔찍한 미래를 가볍게 담아내고 있지만 인공지능의 어두운 부분들에 대해 생각해 볼 수 있는 영화였습니다. Le message vous parvient, c'est que je ne serai plus parmi vous. Mais ne soyez pas tristes. Nos souvenirs, nos sentiments, rien ne meurt. Tout cela continue de vivre dans le cœur de ceux que l'on a aimés. 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드리겠습니다.